Donc il n'y a pas longtemps, il y a eu une assez grosse découverte pas loin de chez moi, à Cambou. Une découverte qui a mené à une expédition d'une vingtaine de personnes sur place et qui a soulevé pas mal de questions. Nous y voilà. Qu'est-ce que ça va être? Bon, j'espère que ça va être un château et c'est un caillou. Un gros caillou. Bon, alors à première vue, ce caillou paye pas de mine, mais si on se rapproche un petit peu... Des gravures. Intéressant. Alors c'est quoi ce caillou? Bah c'est une bande de marquage médiéval. Elle pourrait bien dater du XIIIe siècle et on n'a pas la moindre idée de comment elle est passée inaperçue si longtemps. A l'époque, cette borne faisait office d'un panneau routier, si vous voulez, indiquant aux voyageurs qu'il passait la frontière entre les deux villages, à savoir Verfeil-sur-Seille et Varin. Donc quand mon père a entendu parler de cette trouvaille, c'était au printemps, il m'a demandé si je voulais aller la voir avec lui, vu qu'on habite littéralement à 1 km de Cambou. Donc on y est allé, et en tant qu'artiste 3D que je suis, mon premier réflexe en voyant ce joli caillou, c'est de sortir mon téléphone pour commencer un scan. Mais il se trouve aussi que mon père travaille chez un homme à Varin qui est historien. Il est aussi en contact avec le centre d'archéologie du pays albigeois, qu'on va appeler Kappa à partir de maintenant. Et il se trouve aussi que le Kappa prévoyait d'aller sur place pour étudier la borne. Quand j'entends parler de ça, je me dis que mon petit scan pas terrible fait au téléphone et traité sur mon pauvre PC portable mourant pourrait les intéresser. Bah j'ai pas été déçu. Et oui, se trouve qu'un scan 3D ça révèle beaucoup de choses qu'on voit pas forcément en photo ou même en personne. Mais on reparle de ça à la fin de la vidéo. Donc l'été est passé et la Kappa fixe le rendez-vous au samedi 14 octobre pour aller voir cette borne. C'est les images d'illustration que vous voyez depuis tout à l'heure. Et vu comme ils ont aimé mon travail, je devais refaire un scan propre. Je suis donc retourné à la borne le lundi d'après avec mon Canon 2000D et un objectif 18-35mm pour obtenir un dataset propre. Et c'est en effet un bien meilleur dataset que celui obtenu avec mon téléphone. On ne serait pas douté, tiens. J'ai fait mon max pour retirer autant de profondeur de champ que possible, donc pour ça j'ai shooté à f15. Alors pour compenser la faible ouverture, j'ai monté l'ISO à 800 et j'ai shooté au flash. Alors même à 800 d'ISO, les images sont assez bruitées, donc je recommande vraiment pas d'aller plus haut. Baissez l'ISO au plus bas possible avec ce que vous pouvez faire avec votre matos bien sûr. Ne pas oublier de toujours shooter en manuel, ça vous donnera une exposition plus uniforme sur tout votre dataset et donc des textures plus propres et uniformes. Ça facilite aussi la vie à votre logiciel de photogrammétrie, donc c'est gagnant-gagnant. Au final, je me retrouve avec un dataset de 92 photos. Alors je pense que j'aurais pu faire un peu moins que ça, mais premièrement, vaut mieux trop que pas assez, déjà. Et deuxièmement, vu la tranche du terrain, j'avais vraiment pas envie de revenir pour shooter. Déjà que la première fois c'était assez galère, avec 92 photos, au moins je suis sûr que le scan marchera bien. De retour chez moi, j'ai importé les photos dans Meshroom et j'ai lancé le scan. Enfin, après avoir converti les fichiers RAW en PNG, parce que même si Meshroom est censé prendre en charge le format RAW de Canon, une fois importé dans Meshroom, les images sont super roses. Parce que pourquoi pas, j'imagine. Donc j'ai converti mes RAW en PNG avec RAW Therapy et ça a fait le taf. Le scan a très bien marché du premier coup en utilisant les paramètres de base de Meshroom, donc pas plus à rajouter sur cette partie. J'ai aussi essayé de traiter mon dataset avec Substance Sampler, mais j'ai pas réussi à lancer la phase de meshing vu qu'il crachait à chaque fois, donc bah tant pis. Après quelques tests, j'ai décidé de préparer mon mesh dans ZBrush. Je commence par un booléen pour garder que la zone qui m'intéresse, et ensuite j'utilise le Decimation Master pour créer un mesh exploitable. Je suis parti sur un mesh de 5000 polys, puis j'ai créé ces UV avec le UV Master. Sur les UV complexes comme celui-là, j'utilise les polygroupes pour créer des UV, comme ça j'ai 100% de contrôle sur ce que fait le logiciel. Une fois tout ça fait, j'exporte le mesh et je le vérifie dans Maya. Alors, il y avait bien quelques erreurs de topo par-ci par-là, mais rien de fou. Après avoir réparé ça, j'ai réarrangé la planche d'UV pour maximiser la texel density. J'ai commencé le texturing dans Blender avec le bake de la base color. Ensuite je sauvegarde la base color créée pour l'utiliser plus tard dans Painter. J'ai aussi essayé de baker les normales avec Blender, mais le bake de Painter était bien plus propre sur ce point. Une fois le bake fini dans Substance, j'importe la base color qu'on a créée dans Blender, je corrige les normales et je crée une map de roughness en me basant sur la base color et en lui appliquant des filtres. Et c'est à peu près tout pour les textures, on a donc un asset low poly avec des UV et textures propres et optimisées. Pour les rendus, j'ai fait ça dans Marmoset, juste un setup de lumière basique, un shadow catcher, et voilà le résultat.
qu'est-ce qu'on a sur cette borne? Pour répondre à cette question, je vais tout simplement vous lire le rapport de la CAPA. Cette borne armoirée en calcaire se trouve à environ 800 mètres au sud de Cambou, sur un point culminant à 278 mètres d'altitude, à la limite des communes actuelles de Varin et de Verfeil. Il semble qu'elle marque la frontière entre les deux anciennes juridictions. Elle pourrait donc être une borne frontalière. Il s'agit d'une borne exceptionnelle par la diversité et la richesse de ses gravures qui n'ont peut-être pas encore livré tous leurs secrets. Cette borne calcaire est en deux parties bien distinctes. D'une part, une partie aérienne, soigneusement équarrie et portant les gravures, et d'autre part, une partie enterrée, ou un socle, brut et grossièrement taillé, de plus en plus exhumé et incliné en raison de la forte poussée d'un chêne qui jouxte la borne. Le sommet de cette borne est taillé en trois pans. Interprétation de la face nord de la borne en direction de Verfeil. Les deux gravures sont ici encore assez bien visibles. Elles représenteraient la bastide royale de Verfeil avec sur la partie supérieure un écu de France couronné de trois fleurs de lys. Et sur la partie inférieure, une porte cintrée fortifiée surmontée d'une tour crénelée avec des créneaux bien apparents. La bastide de Verfeil est créée en 1269 par Alphonse de Poitiers, gendre du dernier comte de Toulouse Raymond VII et frère du roi Saint-Louis. À la mort d'Alphonse de Poitiers en 1271, Verfeil passa au roi de France, d'où les trois fleurs de lys. Interprétation de la face sud de la borne en direction de Varin. Par contre, en raison de la forte érosion de cette face, l'unique gravure est ici difficilement visible, et donc peu lisible, ne facilitant pas sa compréhension. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour interpréter la représentation de cette gravure. Tout d'abord, celle d'une gourde de pèlerin, avec une panse en forme de coquille Saint-Jacques, mais Varin était-elle une étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle ? Ce point est à vérifier. Ensuite, une autre hypothèse était celle d'une ampoule de pèlerinage, ou ampoule à eulogie, liée à l'église de pèlerinage Saint-Pierre de Varin, elle-même vouée à Saint-Serge, qui était l'église primitive de Varin. Plus récemment, une nouvelle interprétation a été apportée, finalement plutôt logique. Nous serions ici en présence des armoiries de l'abbaye bénédictine Saint-Géraud d'Auriac, dont dépendait le grand prieuré de Varin, devenu doyenné au XIIIe siècle. En effet, la gravure ressemblerait au blason de cette abbaye, blason avec une bordure engrelée ou festonnée, et surmontée d'une mitre dont le sommet semble érodé, peut-être la mitre de l'abbé comte d'Auriac. L'abbaye Saint-Géraud d'Auriac, très puissante, aurait fondé des centaines de prieurés, comme celui de Varin, qui s'étendaient jusqu'en Catalogne et ailleurs en Espagne sur une douzaine de diocèses, ce qui placerait l'abbaye mère à la tête d'un immense territoire. Cette abbaye eut en outre un grand rayonnement culturel et intellectuel européen. À partir de ces diverses interprétations, la datation de cette borne pourrait se situer, avec beaucoup de précautions, entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle. Bon, on n'a donc aucune réponse fixe pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est que cette pierre est vieille. La datation du CAPA lui donne autour de 750 ans. Ça fait donc peut-être bien 750 ans que cette caillasse est plantée là, et on a réussi à passer à côté, alors que la zone est entretenue, il y a des gens qui passent ici. Bon bah vaut mieux tard que jamais, j'imagine. J'espère que la vidéo était intéressante et que mes explications étaient claires. Le CAPA verra sans doute cette vidéo, donc si j'ai dit une boulette, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Je pense faire plus de scans d'objets du genre à l'avenir, vu qu'on en trouve littéralement à la pelle dans ma région, et que c'est franchement intéressant de scanner de si gros morceaux d'histoire. En tout cas, merci d'avoir regardé, bye! That's just my baby dog. 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 That's just my baby dog.